Horoscope du jour. Mardi 18 août 2020. Bélier. Même si tout n'est pas encore complètement rose, vous pourrez compter sur Vénus pour mettre des couleurs dans votre vie de couple. Célibataire. De nombreux natifs feront une rencontre importante dans la soirée. Vous ne pourrez pas vous permettre de fantaisie dans la gestion de vos biens matériels. Il faudra de la rigueur, sinon de mauvaises surprises surgiront au moment le plus inattendu qui soit. Attention au surcroît de nervosité. Vous avez de l'ambition et vous ferez tout pour réussir dans la vie professionnelle. Numéro de chance 10. Taureau. Le soleil brille sur votre couple. Rien de bien important à signaler. Célibataire. Vous serez d'humeur sentimentale et sensuelle. Sur le plan financier, vous n'aurez pas droit à l'erreur. Il faudra vous imposer une discipline très stricte et à faire une croix sur les dépenses superflues. Neptune fera ses caprices et votre morale en prendra un coup. Vous avez pris des contacts intéressants et l'appui de personnalités influentes vous a été offert. Attention, rien n'est encore joué. Toutes ces belles promesses risquent d'être complètement oubliées si vous sollicitez aujourd'hui un soutien concret. Numéro de chance 14. Gémeaux. Ne laissez pas votre couple s'embrouiller pour des questions matérielles. Célibataire, il n'y a que peu de chances que vous tombiez amoureux sérieusement aujourd'hui. Neptune, en cette position, pourra faire ressurgir le type de difficultés financières que vous avez connues récemment. Méfiez-vous surtout des erreurs dans vos comptes ou du manque de clarté dans les accords et papiers que vous allez signer. Vous aurez tendance à trop tirer sur vos réserves, ce qui peut finir par mettre à mal votre belle énergie. Côté travail, il est très bon de forcer un peu sa chance, mais il est nécessaire de rester raisonnable. Numéro de chance 52. Cancer. Saturne provoque chez vous un besoin de stabilité, de fidélité et de sécurité sur le plan conjugal. Célibataire. La planète Vénus vous donnera l'art de soigner votre image et d'affûter vos armes de séduction. Vous devez éviter les spéculations boursières aujourd'hui, car vous avez toutes les chances qui sont très faibles. Que vous soyez en vacances ou au travail, vous jouirez d'une vitalité du tonnerre. Au travail, si vous avez des requêtes à faire, profitez-en. Numéro de chance 61. Lion. Vénus vous gâte et illumine votre vie de couple. Célibataire. Si votre cœur est libre, tenez-vous prêt pour vous envoler au septième ciel et vivre un grand amour romantique. Même si vous pensez avoir un flair infaillible et une sorte de sixième sens en matière d'argent, vous aurez tout intérêt cette fois à tenir compte des conseils de spécialistes financiers. Les astres vous aideront à être raisonnable, prudent et prévoyant en matière de santé. Influencé par Mercure en bonne position, vous serez bien disposé à mettre de l'eau dans votre vin côté travail. Cette habile stratégie ne tardera pas à donner d'excellents résultats. Numéro de chance 15. Vierge. Vénus rassure. Si vous avez connu des hésitations et des incertitudes dans le domaine amoureux, elles trouveront des réponses ou seront soulagées aujourd'hui. Célibataire, occupez-vous de vous, cajolez-vous, chuchotez-vous, bref, faites-vous du bien. C'est un premier pas vers l'amour. Cette journée placée sous l'égide de Jupiter favorisera la fortune de tous les natifs du signe. Vous serez habile dans vos négociations et transactions diverses et les rencontres opportunes vous serviront. Vous aurez une vitalité en hausse. Votre ambition sera stimulée, ce qui vous permettra de concentrer vos forces sur le but d'atteindre sans vous laisser détourner par des choses moins importantes. Numéro de chance 9. Balance. En couple, votre ciel amoureux sera contrasté. D'un côté, Vénus vous offre des moments agréables. De l'autre, Neptune sèmera une certaine confusion dans votre vie conjugale. Célibataire, vous serez tellement sélectif que bien peu de personnes trouveront grâce à vos yeux. Vous devez vous montrer d'une vigilance rigoureuse dans le domaine financier. Vous serez amené à dépenser un peu trop. Faites preuve de volonté pour ne pas céder aux tentations. Vous vous sentirez en bonne forme et vous aurez aussi un excellent moral, ce qui n'est pas toujours le cas. De plus, les troubles digestifs seront en sensible diminution. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même et régler les affaires en suspense. Numéro de chance 41. Scorpion. Vénus, la déesse de l'amour, sera l'alliée des couples et Mars, le maître du désir, les soutiendra. Célibataire,
Venise vous promet une journée très agréable côté cœur. Saturne influencera votre secteur d'argent. Et cette planète n'a pas la réputation de favoriser la fortune. Bien au contraire, serrez-vous la ceinture et attendez les jours meilleurs qui ne vont pas tarder. Rassurez-vous, pourquoi ne pas partir quelque temps en voyage? Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas. Vous sortirez de vos réserves pour dénoncer certains collègues que vous jugez incompétents. Numéro de chance 19. Sagittaire. En couple, vous vous poserez des questions. Vous chercherez à prendre des distances, à mener une aventure de votre côté. Mais attention aux complications, jalousies et autres conflits. Célibataire, vous aurez une sacrée chance. Vous serez particulièrement heureux en amour aujourd'hui. Vous pourrez bénéficier d'un concours de circonstances favorables sur le plan financier. Il pourra s'agir d'opportunités ou d'occasions, vous aidant à envisager des placements boursiers ou des transactions très avantageuses. Vous serez solide comme un roc. Les perspectives professionnelles sont bonnes, mais les circonstances ne se prêteront pas. Numéro de chance 56. Capricorne. En couple, vous risquez de ressentir l'influence pesante de Saturne. La routine sera plus dure à supporter que jamais. Célibataire, n'hésitez pas à sortir et à multiplier les occasions de rencontre. Le plan financier suivra son cours normal. Seuls quelques natifs du deuxième décan pourront connaître quelques petites difficultés mentionnées sur l'impact de Pluton. Sous l'égide de Jupiter en bonne position, votre énergie vitale sera excellente. Malgré des complications imprévues, vous serez décidé à mener à terme les projets que vous avez mis sur pied. Numéro de chance 38. Verseau. En couple, vous avez envie de changer vos habitudes, changer votre planning, changer de coiffure. Si vous êtes célibataire, vous apprécierez de vivre au jour le jour et vous saurez profiter des nombreux plaisirs qui passeront à votre portée au lieu de ne songer qu'à vous fixer. Ne mêlez surtout pas amour et argent. Ce serait un mélange détonnant. De même, vous n'aurez pas intérêt à prêter ou à demander de l'argent à des amis. Vous repousserez sans difficulté microbes et virus de tous bords et serez capable de fournir des efforts titanesques. L'ambiance astrale de cette journée sera assez néfaste sur le plan professionnel. Ce pourrait être le règne des rivalités, des situations confuses, des coups bas difficiles à prévoir. Numéro de chance 69. Poisson. En couple, ne vous avisez pas de provoquer trop souvent la jalousie de votre conjoint. Il pourrait bien avoir des envies de vengeance. Célibataire, vous serez très excité par la conquête de ceux ou celles qui vous résistent. Prudence. Vos finances seront soumises à une configuration astrale qui pourra se traduire par une mauvaise surprise. Tout ira bien si vous êtes raisonnable et limitez vos dépenses. Avec l'appui de Jupiter, tout devrait bien aller côté santé. Journée extrêmement favorable à la curiosité d'esprit et à l'esprit d'invention. Ceux qui poursuivent des études ou souhaitent en reprendre seront favorisés. Numéro de chance 12. Dame Urabitan, visionnaire astrologue, je vous souhaite une bonne journée et que les bénédictions soient. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!